la prison de Darkmoor. Complètement isolé du monde extérieur par des murs de granit. Dès que t'en fais assez long pour sortir d'ici, si tu le voulais. T'es peut-être ou t'es peut-être pas un autre de leurs sales mouchards, mais t'auras la même réponse que les autres. Il me reste encore 2 ans, 8 mois et 6 jours à tirer, à fabriquer des boîtes à musique qui seront vendues aux enchères au bénéfice de ce délicieux sanctuaire. J'ai pas le droit de laisser tomber. Assez parlé, filez. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer aux 3 articles suivants. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez les acheter ensemble ou séparément. Ces 3 mignonnes petites boîtes ne sont arrivées que ce matin, et c'est bien pour vous faire plaisir que nous les mettons en vente aujourd'hui. Mesdames et messieurs, tendez bien l'oreille. Qu'entendez-vous? Eh oui. Le merveilleux gazouillis d'une boîte à musique. Quelle ravissante fantaisie, quel beau cadeau à faire. Fabriqués par des mains de fer seront la joie des petits et des grands. Qui de vous est prêt à m'en offrir 5 livres? C'est pour rien, ce prix-là. C'est curieux. Je ne vois aucune main se lever. Disons 3 livres. 2 livres. 1 livre. Dis-le-là. Merci. Alors personne ne monte plus haut, personne ne m'offre 1 livre. Oui. Oui, 1 livre m'est offerte. 1 livre m'est offerte. Qui dit mieux? Mais qui dit mieux? Faites un effort, monsieur. Allez jusqu'à 2 livres. Ah, ce monsieur offre 2 livres. 2 livres me sont offertes 1 fois. 2 fois et 3 fois. Adjugez à ce monsieur pour 2 livres. Désolé, mademoiselle. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer à l'objet suivant. Qui est la réplique exacte de la ravissante boîte à musique que ce monsieur vient d'acquérir pour le prix ridiculement bas de 2 livres. Vous voyez, c'est la même. Exactement, et fabriquée par les mêmes mains. Écoutez ça. N'est-ce pas ravissant? C'est léger, 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 aérien. On se croirait transporté au ciel au milieu des anges jouant de la harpe, hein? Nous commencerons à 2 livres. Qui veut m'en offrir 2 livres? Voyons, personne ne m'en offre 2 livres. Personne? Mesdames et messieurs, je vais finir par croire que nous sommes en Écosse. Disons 1 livre, dis-je-là. 1 livre. J'attends. Ah, 1 main s'est levée. 1 livre est offerte. 1 livre est offerte. Qui dit mieux? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugez à la jeune dame pour 1 livre. C'est bien joué, mademoiselle. Je vous remercie. Nous arrivons à la 3e et dernière de nos boîtes à musique. Écoutez, écoutez, c'est un enchantement. Mesdames et messieurs, ainsi que vous pouvez le voir, elle est absolument identique aux 2 premières. Je regrette, c'est fermé. Mais c'est de la plus haute importance. Alors, monsieur, entrez. Excuse de vous déranger, monsieur, mais j'ai malheureusement été retardé, ce qui m'a empêché de faire une offre pour certains articles que je voulais absolument acquérir. Oh, mais peut-être ne sont-ils pas vendus. Nous faisons une autre vente jeudi. De quels articles s'agit-il, monsieur? 3 boîtes à musique, pareil, à peu près de cette taille. Oh, je suis désolé, mais elles sont vendues. Dommage que vous n'ayez pas été ici, monsieur. Je n'ai obtenu qu'un prix bien loin de leur vraie valeur. Je suis prêt à tout pour les posséder. Je pense que vous devez avoir les adresses ainsi que les noms de vos acheteurs. Ah, ce n'est pas l'usage de les donner, monsieur. Pour certaines raisons sentimentales, disons, j'aimerais entrer en contact avec vos acheteurs. Je me sens tout prêt à payer, voyons... 5 de ces billets. Pour des raisons sentimentales, cher monsieur, je me sens tout prêt à vous aider. Alfred, oui? Les ventes du jour. Les 3 boîtes à musique. Boîtes à musique, oui. Ah, les voilà. La première, achetée 2 livres par monsieur Julien Emery, 50 de Portsmouth Square. Veuillez écrire cette adresse, Alfred. Oui, monsieur. Le second n'a laissé aucun. Ah, quelle malchance. Je crois que c'est une revente. Ces gens-là ne veulent pas qu'on sache où vont nos articles. À cause des bénéfices. Mmh. Vous dites que le deuxième acheteur est une femme. Est-ce que vous pourriez me la décrire? Oh, c'était une jeune femme plutôt grande et lancée. Les cheveux bruns et le teint clair et
Elle portait un A. Un tailleur gris, je me rappelle bien. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle reviendra jeudi, sûrement. Elle a payé une livre. Et la dernière boîte? Attendez, Monsieur William Kilgore, 53 bis, Hampton Way. Pour 10 là. C'est ce que j'appelle une bonne affaire. Monsieur Kilgore est écossais, monsieur. Oui, je comprends. Et je vous remercie pour votre complaisance. Oh, il n'y a pas de quoi. Et tâchez de revenir nous voir à l'occasion. Nous avons toujours de jolies choses à vendre. Notre carte, monsieur. Merci. Eh bien, je repasserai jeudi. Le message nous a joint trop tard. Les boîtes à musique avaient déjà été vendues. Bon, allons-nous-en. Un jour, je me fâcherai. Je crois que vous visez trop haut, imbécile. On ne vit jamais trop haut, colonel Cavano, quand le but en vaut la peine. Mais jamais elle ne sera à vous. Recevoir ce soir à 8h la visite d'un homme qui désire vous consulter pour une affaire de la plus haute importance. Vous vous rappelez cette lettre, Holmes? Ça va faire 2 ans qu'elle a été écrite. Une affaire intéressante, diablement intéressante. Irène Adler. Très rare de rencontrer une femme aussi belle que cette Irène Adler. Il me semble que c'était hier. Quel charme! Quelle maîtrise et quel cerveau! Il fallait une telle maîtrise pour duper le grand Sherlock Holmes en personne. J'en déduis que le nouveau numéro du Strand Magazine est sorti, contenant une autre de vos sinistres histoires. Oui, c'est exact. Et quel est le titre cette fois? Je l'ai appelé « Un scandale en bohème ». C'est un bon titre, hein? Si vous devez raconter mes exploits, tâchez de moins appuyer sur la partie mélodramatique et plus sur la partie spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'espère que vous avez donné à la femme une âme, car elle en avait une. Par la femme, vous entendez, je suppose, Irène Adler. Oui. Elle restera toujours pour moi l'incarnation de la femme. Entrez. Oh, monsieur le fouineur! Je sais, grippant, tu sais. Comment ça va? Ça fait des années qu'on ne s'est vu. Et je vous présente mon ami Sherlock Holmes. Holmes, voici le fouineur. Non, je voulais dire Julien Emery. Monsieur Emery, Watson m'a souvent parlé de ça. C'est vrai. Oui, nous étions à l'école ensemble. Eh bien, des années ont passé depuis ce temps-là. Enfin, vous n'êtes pas venu ici pour me rappeler ça. Non, le hasard m'a amené dans votre quartier et j'ai vu de la lumière. Alors j'ai pris la liberté de monter vous voir. Vous envoyez toujours vos mystères aux journaux? Oui, un nouveau apparu cette semaine. Je n'en manque pas un. Ah, ça, c'est gentil. Et dites donc ce pansement, ça vous rend très séduisant. Vous continuez à mettre votre nez comme autrefois dans les affaires des autres. Qui vous a frappé? Je n'en sais fiche pas rien. Dans mon salon, ma tête a heurté le poing d'un inconnu qui, par la suite, a commis le plus idiot des cambriolages qu'on puisse imaginer. Ce type doit être complètement dingue. Complètement quoi? Ah, mais asseyez-vous donc, mon vieux. Merci. Vous prendrez bien une tasse de thé? Si vous voulez. Je vais aller dire à Madame Hudson de le préparer. Pourquoi ce cambriolage est-il idiot, monsieur Emery? Oh, simplement parce que, ayant apporté de la main dans les 2 millions de boîtes à musique au moins, le voleur les a toutes dédaignées, pour en emporter une qui vaut tout au plus 1 livre. Je vois que vous êtes collectionneur de boîtes à musique. Ah oui, il y en a qui sont magnifiques, mais pas celles qu'on m'a volées. Le voleur, évidemment, s'est emparé de celles qu'il avait sous la main quand il m'a entendu arriver. Est-ce que je pourrais voir votre collection, monsieur Emery? Mais naturellement, voyons, tous les collectionneurs aiment faire admirer leurs trophées. Et quand voudriez-vous l'avoir? Rien ne vous le présente. J'habite à 2 pas d'ici, Portsmouth Way. Vous y allez? Oui, d'accord. Mais où allez-vous? Le fouineur n'a pas encore pris son thé. Oh, je suis désolé. Nous allons chez moi, mon vieux, où je vous offrirai quelque chose de meilleur que le thé. Celle-ci a été faite pour Louis XV. C'est un des rares spécimens de cette époque existant encore, et un spécimen des plus remarquables. C'est charmant, n'est-ce pas?
Tout à fait. Elle me donne plus que l'impression d'un régiment de souris courant sur un toit de tôle. Vous n'avez pas l'oreille faite pour les boîtes à musique. Bon, donnez-moi un bon vieil orchestre ou une marche militaire et vous pourrez garder tous vos ridicules. Tweet, tweet. Ils sont idiots. Qu'est-ce que c'est? Un lapin qui chante. On aura tout vu. À votre avis, qu'est-ce que peut valoir une boîte comme celle-là, monsieur Emery? Oh bien, c'est assez difficile à dire, mais je pense que ça se montrait à 500 ou 600 livres aujourd'hui. C'est le joyau de ma collection. Et pourtant, un voleur s'intéressant à des boîtes à musique en néglige une valant plus de 500 livres pour en prendre une autre qui n'a, pour ainsi dire, aucune valeur. Curieux. Oui, c'est très curieux. Comment était la boîte volée, monsieur Emery? Bon, une boîte tout en bois, à peu près de cette taille. D'ailleurs, j'en ai une autre ici qui est presque identique. Et je me la suis procurée hier dans une salle de vente de Knight's Ridge pour seulement 2 livres. Elle n'est pas du genre de celle que j'ajoute habituellement à ma collection, mais l'air m'a intrigué. Et je ne l'avais jamais entendue. Vous avez une oreille remarquable, monsieur Holmes. C'est assez curieuse mélodie. Essayez-vous donc. Je vous remercie. Oui, vous avez acheté cette boîte dans une salle de vente hier. Oui, une salle où je vais très souvent, dans Knight's Ridge, tenue par... Quel est donc son nom? Crabtree. Oui, c'est bien ça. À quelle heure le vol a-t-il été commis? Environ 3 heures ce matin. Vous savez, monsieur Emery, cette boîte et le vol pourraient parfaitement bien être cause et effet. Surtout que vous dites que la boîte volée a une grande ressemblance avec celle-ci. Et Scotland Yard n'a pas été particulièrement intéressé? Non, mais je ne peux pas leur en vouloir. Après tout, j'ai été incapable de fournir un signalement du voleur. Eh bien, en tout cas, si une nouvelle tentative de cambriolage était faite, je vous conseille d'appeler la police, au lieu de vous exposer personnellement. Oh, voyons, Holmes, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Oh, peut-être bien, cher oui, monsieur. Je suis d'accord avec ce vieux fouineur. Il me semble que vous faites une montagne d'une taupière. Taupinière est le mot, cher ami. Et il est temps que vous alliez dormir. Et merci de nous avoir laissé voir votre collection. Il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir a été pour moi. Holmes, je ne comprends pas pourquoi vous avez été si mystérieux. Un cambriolage commis par un voleur sans envergure est la seule explication valable. Vraiment? Ben oui, je ne vois pas comment vous pourriez croire autre chose. Mais je n'ai jamais dit que je croyais autre chose. J'admets que la théorie d'un simple vol est celle qui s'impose. Pourtant, c'est souvent une erreur d'accepter pour vrai une chose parce qu'elle semble évidente. La vérité n'est atteinte que par une patiente et progressive élimination de ce qui est faux. Allô? Oui? Julien Emery. Qui? Ah, oh, oui. Oui, oui, je me souviens très bien de vous, Madame Courtenay. Oui, sans vous, je me serais mortellement ennuyé à la réception de Lady Sanford. Hein? Ah, mais non, il n'est pas trop tard pour venir. Oui, 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 vraiment. Je serais ravi de vous revoir. Et écoutez-moi, montez directement, la porte sera entrouverte. Entendu. Bon, dans 20 minutes, oui. Je vais mourir d'impatience. Ah non, 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 croyez-moi, c'est la vérité. Bon, tout de suite. Vous m'avez fait peur. Ça doit être le vampire qui sommeille en moi. Je sais que je n'aurais pas dû vous appeler aussi tard, mais j'étais à 2 pas d'ici à une soirée très ennuyeuse. Et je me suis rappelé votre invitation à venir voir votre collection de boîtes à musique. Ma chère Madame Courtenay, le plaisir de vous voir est d'autant plus grand qu'il est inattendu. Mes amis m'appellent Lisa. Merci. Les miens m'appellent Coquin. Oh, c'est très amusant. Vraiment, quelle merveilleuse collection de boîtes à musique. Oh, comme celle-ci est simple.
Elle fait figure de cousin pauvre au milieu de ses splendeurs. Voyons, vous ne devez pas sous-estimer ce cousin pauvre. Pas plus tard qu'hier soir, un cambrioleur est entré ici et malgré toutes ses merveilles, est reparti avec une boîte presque identique. C'est vrai? Oui, je ne lui en veux pas pour le vol de cette boîte, mais je lui reproche ce coup sur le crâne. Pourquoi? Il vous rend plus séduisant. Ah, vous trouvez? C'est curieux, c'est ce que m'a dit le fossé. Le fossé? Je veux dire, le docteur Watson, il est venu ici ce soir avec un ami, un monsieur Holmes. Il s'intéresse à ma collection aussi. Sherlock Holmes? Eh oui, le connaissez-vous? Oh, pas oui dire seulement. Oui, il semble croire que je suis, paraît-il, en danger. Cet air est obsédant, il me rappelle mon enfance. Ah oui? Vous savez, c'est curieux que vous soyez intéressé par cette boîte en particulier. Pourquoi? Parce que Monsieur Holmes l'a été aussi. Oh, peut-être s'est-il intéressé davantage à l'air qu'à la boîte. Ah mais oui, c'est exact, je m'en souviens maintenant. Et nous allons voir quelque chose, voulez-vous? Oh non, merci, il faut que je m'en aille. Vraiment? J'ai peur que oui. Vous n'allez pas me faire ça. Et ma réputation? Coquin. Vous savez que vous êtes terriblement attirante. Merci. Imbécile! Je t'avais dit de rester dehors. Pourquoi l'as-tu tué? Je n'avais plus qu'à m'en aller avec la boîte. Il vous tenait dans ses bras. Ne le touche pas. Ne touche à rien. Et surtout, va-t'en. Je suis désolé. Tu es désolé. As-tu pensé à moi? C'est un meurtre. As-tu pensé à Scotland Yard? As-tu pensé à Sherlock Holmes? Maintenant, va-t'en. D'ennui? Aucun, à part son meurtre. Elle a disparu. C'est la seconde tentative de vol de la boîte à musique qu'Emery avait achetée aux enchères. Et cette fois, elle a réussi. Mais cette boîte n'avait aucune valeur. Elle a coûté la vie à un homme, Watson. Nous ferions bien d'aller à cette salle de vente rendre visite à ce monsieur Crabtree. Inspecteur, j'aimerais que vous fassiez fouiller l'appartement à fond pour retrouver une boîte à musique ordinaire en bois à peu près de cette taille. Oui. Merci. Venez, Watson. Vous avez vendu la première à M. Julien Emery, la troisième à M. Kilgore, 143 bis Hampton Road, et la deuxième que j'oubliais à la jeune femme non identifiée qui probablement tient une boutique non loin d'ici. C'est bien ça, Monsieur Holmes. N'est-il pas étrange, M. Crabtree, que vous ayez eu trois boîtes à musique pareilles et jouant le même air? D'où provenait-elle? De la prison de Dartmoor. Dartmoor? Oui, un lot de différents objets nous en arrive chaque mois. Ce sont les prisonniers qui les fabriquent. Ils fabriquent toutes sortes de choses, des pipes, des corbeilles à papier et des boîtes à musique. Avez-vous remarqué par hasard? Si quelqu'un a semblé, au cours de cette vente, s'intéresser tout particulièrement aux acheteurs de ces trois boîtes. Dites-moi tout, M. Crabtree. C'est une question de vie ou de mort, sans aucun doute. Oh, dans ce cas, je préfère tout vous dire, M. Holmes. Un M. Charmant est venu ici peu de temps après l'heure de la fermeture. Il était dans un état nerveux. Il n'a pas hésité à me donner 5 livres pour que je lui dise, pour des raisons sentimentales, qu'il les avait achetées. Sentiment qui lui a coûté cher. Pouvez-vous décrire ce monsieur? Il était plutôt grand, distingué. Il avait les cheveux gris et une moustache. Un homme très bien, monsieur. Merci, monsieur Crabtree. Vous m'avez été très utile. Au revoir. Venez, Watson. Où va-t-on maintenant? Droit chez monsieur Kilgore, l'acheteur de la troisième boîte. Mais nom d'un chien, Holmes, quel rapport entre les deux autres boîtes à musique et le meurtre de Julien? Je l'ignore, mais je n'ai pas l'intention d'attendre que leurs acheteurs soient tués pour le découvrir. Il n'y a personne. J'espère que c'est l'explication. Je vais regarder par cette fenêtre. Je ne vois personne. La maison a l'air vide, autant que je puisse en juger. Oui? Monsieur et Madame Kilgore sont chez eux. Non. Quand doivent-ils revenir? Oh, dans une heure ou deux. Mais inutile de rester à rôder dans les parages. Ils n'aiment pas du tout les mendiants. Mendiants? Ma brave femme, nous sommes Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Oh, laissez-moi rire. Vous permettez-vous d'entrer les attendre? Ce qui m'amène est assez urgent. Ben, je dois sortir pour faire mes courses. Ben, je sais pas si Mme Kilgore aimerait trouver des étrangers dans sa maison. Tout ira bien, je vous l'assure. Bon, il faut que je m'en aille. Installez-vous dans le petit salon et ne fumez pas, surtout. Mme Kilgore dit que ça empeste partout.
drôle de bonne femme, Holmes. Vous savez, Holmes, à quoi j'ai pensé? Il y a sûrement quelque chose de caché dans la boîte qu'avait Julien. Probablement un bijou volé. Qu'avez-vous, Holmes? Écoutez. Oh, c'est le bruit de la vapeur dans les tuyaux de chauffage. Watson! Grand Dieu! Venez, Holmes, faites-la asseoir dans ce fauteuil. Mais rassure-toi, ma chérie. Allons, allons. Tu n'as rien à craindre. Nous sommes là. Voilà, maintenant, ne pleure plus, voyons. Elle m'a attaché et puis elle m'a enfermé dans la penderie. Je sais, je sais. Elle ne te fera plus de mal. Lui as-tu montré ta nouvelle boîte à musique? Oui, elle a dit qu'il voulait l'entendre jouer. Et dès que je lui ai fait voir, elle me l'a arraché des mains. Je sais, je sais. Maintenant, calme-toi, on t'achètera une autre boîte à musique. La plus belle de toute l'Angleterre. Watson. Ah, quel imbécile j'ai pu être. Et pourquoi, Holmes? Elle a emporté la boîte dans son filet à provisions. Et elle l'a fait sous notre propre nez. Mais pourquoi la femme de ménage de Kilgore aurait-elle emporté cette boîte à musique? Elle n'est pas leur femme de ménage, elle est une comédienne accomplie. Une femme intelligente, sans scrupules, et que rien ne peut arrêter. Occupez-vous de cette petite fille jusqu'à ce que ses parents reviennent. Expliquez-leur tout. Naturellement. Hein, Holmes, où allez-vous? Il faut absolument que je vois la jeune femme qui a acheté la deuxième boîte avant que nos adversaires ne la retrouvent. Tout ce que j'espère, c'est de ne pas arriver trop tard. Eh ben, nous voilà tous les deux. Ah, alors, mon lapin, il n'y a plus de raison de pleurer. Voyons, le loup est parti. Tiens, veux-tu que ton vieil oncle imite le chant du canard? C'est pas vrai, hein. Ouais. Personne ne voit davantage? Je dis une fois, je dis deux fois, je dis trois fois. Terminé. Adjugé à la jeune dame pour une livre. Maintenant, mesdames et messieurs, je me permets d'attirer votre attention sur un article qui pourrait être digne de n'importe quelle collection. Le seul autre exemplaire existant est au British Museum. C'est un vase Ming de la 7e dynastie. Ce vase est resté ignoré parmi un tas d'autres, quelque part aux environs de Rome pendant plus de deux siècles. Je crois savoir qu'il a été découvert par le célèbre antiquaire André Cornell. Je tiens à vous rappeler qu'André Cornell était non seulement un antiquaire, mais aussi un écrivain remarquable. La fille avec un paquet à la main, c'est elle. Vous en êtes bien certain? Elle correspond parfaitement au signalement qu'on m'a donné. Bon, celui-là, Hamid. Madame? Bonjour, mademoiselle. Je cherche un cadeau pour l'anniversaire d'une fillette de 8 ans. Que me conseillez-vous? J'ai des poupées ravissantes. Tenez, cette hongroise. Elle a tellement de poupées, déjà. Peut-être qu'elle aimerait un livre. Eh bien, je voudrais quelque chose sortant de l'ordinaire. Oh, je trouve ça très joli. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une boîte à musique. Ça plaît toujours aux enfants. Celle-ci est particulièrement intéressante. Elle joue plusieurs airs. En avez-vous d'autres? Oui, venez, je vais vous les montrer. Il ne m'en reste que deux. Ravissant. Vous êtes sûre de ne pas en avoir d'autres? Je suis désolée. Elles sont assez difficiles à trouver. C'est tout ce que j'ai actuellement.
J'en avais une autre, mais je l'ai vendue il y a environ une heure. Et ce n'était qu'une boîte très ordinaire qui n'aurait certainement pas plu à une enfant. Vraiment? Savez-vous par hasard le nom de la personne qui vous l'a achetée? Mais oui, il a laissé sa carte, au cas où quelqu'un exprimerait le désir de le joindre. C'est très intéressant. Je suis désolée, mais je ne trouve rien qui me convienne. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Au revoir, mademoiselle. Merci. Les chasseurs, et nous sommes le gibier, au contraire. Et en plus, nous l'avons mis droit sur notre piste. Bien entendu, il nous fit suivre. Ne regardez pas. L'homme en face du magasin de jouets. Hamid, tourne immédiatement à droite et ensuite encore à droite. Aucune photographie d'elle, commissaire. Ainsi que je le pensais, elle est inconnue de vos services. Mais comment la reconnaîtrez-vous si vous la trouvez? N'oubliez pas qu'elle était déguisée en femme de ménage. Ne vous inquiétez pas. Si je la rencontre à nouveau, je la reconnaîtrai. Nous l'avons passée au rayon X. Il n'y a absolument rien de caché dans cette boîte. Allons regarder les planches. Il doit y avoir une explication. Et elle est probablement si apparente qu'elle nous a échappé. À mon avis, nous avons sûrement affaire à des fous. Pas à des fous, mon cher ami. Mais au contraire, à des meurtriers pleins de sang-froid. Mais qu'est-ce que ces boîtes à musique peuvent donc contenir de si important? N'oubliez pas qu'elles ont été fabriquées à la prison de Dartmoor. On peut faire entrer des choses en fraude en prison, mais pas en sortir. Si vous voulez, on pourrait briser la boîte et voir si elle contient quelque chose que les rayons X n'ont pas décelé. Non, pas encore. Vous permettez que j'emporte? Certainement. Merci. Le directeur de la prison de Dartmoor nous informe, en réponse à la question de M. Holmes, que les trois boîtes à musique ont été fabriquées par le même détenu, John Davidson, qui purge une peine de 7 ans, monsieur. Davidson? Les planches de la Banque d'Angleterre. Vous pouvez vous retirer. Bien, monsieur. Enfin, quelque chose de précis. Oui, voilà, enfin une piste. Mais une minute. Comment saviez-vous pour les planches, monsieur Holmes? Je me consacre à l'étude du crime, inspecteur. Je me dois donc d'être au courant de certaines choses. Et quand le nom de Davidson a été prononcé, bien... Mais au juste, qui est-ce, Davidson? Davidson occupa pendant de longues années un poste d'extrême confiance au service de gravure des billets de la Banque d'Angleterre. Et ce qu'il a volé n'était rien d'autre qu'un double complet des planches servant à imprimer les billets de banque de Saint-Lyon. Il a fait ça? Oui, et à l'époque, qu'en parler aurait pu entraîner une catastrophe. La confiance du public dans le trésor aurait été ébranlée. Davidson n'a pas eu beaucoup de temps pour trouver où cacher les planches avant d'être capturé. Et peut-être craint-il que ces planches puissent être découvertes par accident avant qu'ils ne soient relâchés. D'où son anxiété à faire connaître la cachette à ses complices le plus tôt possible. Je pense que vous avez raison, monsieur Holmes. Je suis sûr que des renseignements sont contenus dans cette boîte à musique. Ou plutôt dans les trois boîtes à musique, vu que la possession des trois semble un facteur essentiel. Nos adversaires ont 2/3 du puzzle, nous en avons 1/3. Ah, et qu'allez-vous faire, Holmes? Tâchez de découvrir le message d'après le seul tiers que nous possédons. Celui qui était joué par la boîte à musique d'Emery. Et pourtant, il est différent. Je n'y vois pas de différence, moi. Ouais, oui, c'est l'air. D'une façon quelconque, c'est l'air qui est la clé du mystère. Il faut bien que ce soit l'air. Autrement, pourquoi utiliser trois boîtes à musique pour envoyer le message? Pourquoi pas des boîtes à chaussures ou à bonbons?
Oui. Ah, c'est pour vous, inspecteur. Merci, monsieur le commissaire. Inspecteur Hopkins à l'appareil. Quoi? Mais où? Le commissariat de Sceaux nous signale qu'on vient de trouver le cadavre du sergent Thompson. D'après les traces de roue de voiture sur ses vêtements, on pense qu'il a été renversé par un taxi. Oh, quel affreux accident! Pas un accident, mon cher ami. J'ai peur que ce soit un meurtre. Walking down a busy London street, Mrs. Hawkins, Mrs. Brown, any subject of the crowd. Oh, you never know just who you're going to meet. So you better hold your topper in your hand, just in case you meet a lady on the Strand. Girls will think you're kind of sweet, and your day will be complete. Oh, you never know just who you're going to meet. Now a gentleman is judged by his appearance. Yes, a gentleman is judged by how he talks. Now he's much better off when he's acting like a top, especially if he's taking him a walk. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit invraisemblable? Un rendez-vous pour acteurs. Acteurs? Oui, de malheureux bougres. J'en ai rencontré des centaines de fois. Ils tentent de distraire les clients. Ils font la queue à l'entrée des théâtres. C'est Monsieur Holmes. Comment ça va, Joe? Merveilleusement. Et vous-même? Bien, merci. Je vous présente un ami de Dr. Watson, Joe Sisto. Enchanté, un ami de Monsieur Holmes et un ami à moi. Salut, Joe. C'est qui m'a rendu un service que j'oublierai jamais. Oui, j'ai innocenté Joe sur qui pesait une accusation très grave. Un meurtre, rien que ça. Vraiment? En prouvant à la grande satisfaction de la police qu'au moment du crime, il était occupé à ouvrir un coffre-fort. C'est exact, patron. Un coffre-fort? Eh bien, Joe, c'est à votre tour de m'aider. Allez, décampe, décampe, je te dis. Hé, hey, foutez-moi le camp. Moi, le gentleman, on veut être un peu tranquille. Et toi aussi. Voilà, ça y est, monsieur Holmes. On va pouvoir bavarder tranquillement. Merci, Joe. L'affaire vous rapportera 5 livres, ça ira? Ça m'ennuierait de me charger de ça. Mais je vous trouverai quelqu'un qui le frappe pour la moitié de ça. Mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'un meurtre pour ce prix-là. Quoi? Non, Joe, il n'est pas question de meurtre, mais de musique. Je voudrais le titre de la chanson que je vais vous jouer. Oui, il n'y a pas une chanson au monde que je ne connaisse pas. C'est pourquoi je suis venu vous trouver. Oh, bien sûr, le piano n'est pas mon fort, je dois l'avouer. Enfin, et maintenant, écoutez ceci. Une minute, non, non, vous le jouez faux. Là, c'est pas un sol naturel, c'est un sol dièse. Vous connaissez l'air? Ah oui, c'est une vieille chanson australienne appelée L'homme qui se balance. Mais vous la jouez tout de travers. C'est ce que j'espérais que vous diriez. Écoutez à nouveau. C'est le même air, c'est sûr, mais vous faites maintenant d'autres fausses notes différentes de la première fois. Non, non, pas de fausses notes, Joe, des variations. À votre tour, jouez-le comme il a été composé. Rien, Holmes. Avez-vous trouvé quelque chose? Peut-être bien. Je suis pas encore sûr. C'est probablement une espèce de code. Joe, pourriez-vous écrire cette chanson comme elle l'était à l'origine? Bien sûr, monsieur Holmes, mais ça prendra un bout de temps. Hé, ma belle! Un verre de bière. Et dépêche-toi, ma fille, je suis pressé.
En tout cas, les paroles ne donnent rien. Quelle que soit la combinaison envisagée, elle n'a aucune signification. Les variations que nous donnait la boîte à musique d'Emery étaient totalement différentes des variations de celles que nous avons. Vous en êtes sûr? Oh, tout à fait. Voyez-vous, je m'étais efforcé d'apprendre par cœur l'air joué par la boîte à musique d'Emery. Le soir où nous sommes allés chez lui. Holmes, vous me stupéfiez. Pourquoi donc, cher ami? Un des premiers principes dans la chasse au crime est de ne négliger aucun détail, même élémentaire. Mais pourquoi trois boîtes et non pas une seule? Parce que le message était apparemment trop long pour être transmis par une seule. Voilà tout. Et il y a la troisième boîte, celle que cette femme a volée chez Kilgore, qui offre un troisième thème de variation musicale. Oui, enfin, tout ça me dépasse. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver le secret des variations, ce qui est un problème assez difficile à résoudre. Tiens, tiens. Qu'y a-t-il, Holmes? Nous avons eu une visite. C'est de l'effraction. Dites à Madame Hudson de monter tout de suite. J'y vais. Madame Hudson! Oui? Madame Hudson, voudriez-vous monter une minute, s'il vous plaît? Je viens. Mais grand Dieu, monsieur Holmes, que s'est-il passé? Qui est venu en notre absence, Madame Hudson? Rien que la jeune dame, celle à qui vous aviez demandé de vous attendre, elle était avec un gentil vieux. Encore vos amis, Watson. Vos amis? Comment était cette jeune dame? Oh, je n'ai pas vu son visage. Elle avait une épaisse voilette noire, et... mais elle était tellement gentille. Oh, je suis désolée, monsieur Holmes, si j'ai fait quelque chose de mal. Mais vous avez toujours dit que je devais faire entrer les gens venant pour vous voir. Ah, calmez-vous, Madame Hudson, calmez-vous. Vous ne pouviez pas savoir. Non, non, il n'y a rien de grave, je vous assure. Au revoir, Madame Hudson. Rien de grave? Alors où est cette boîte à musique? Elle est toujours ici. Ici? Mais où donc? Dans votre main. Hein? Dans le pot de biscuits. Retirez les biscuits du dessus, cher ami. La boîte est au fond. Oh, oui, elle y est, Holmes. Ah, vous les avez bien nus. Pff, eh ben, ça empeste ici. On se croirait dans un bar à l'heure de la fermeture. Dites donc, Holmes. Oui? Il est 8 heures du matin. Permettez-moi de vous féliciter de ce brillant chef-d'œuvre de déduction. Hein? Ce n'est pas une transposition, ce n'est pas non plus une adaptation, ni aucune forme connue de code. Avez-vous pensé à l'alphabet Morse? Mais oui, vers 3 heures ce matin. Je m'excuse, je disais ça pour vous aider. Oh non, je vous en supplie, ça suffit. Je vous ai entendu jouer ça plus de 100 fois. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'avoue que je connais des airs plus agréables. Oh, vous savez parfaitement bien que pour moi, tous les airs se ressemblent. Quand j'étais enfant, mes parents voulurent me faire apprendre le piano. Malgré tous les efforts de mon professeur, je n'y comprenais rien. De guerre lasse, la pauvre femme en était arrivée à me numéroter les notes. 1, 2, 3, 4, et malgré ça, j'ai jamais été passé. Numéroter les notes, Watson? La troisième note de la gamme serait la troisième lettre de l'alphabet. C, tenez. Écrivez pendant que je vous énumère, mon vieux. La première note, un mi, est donc C. Maintenant, la deuxième, do, est A. Mi, la suivante, C. La quatrième note, H. La cinquième, E. C, A, C, H, E. Caché.
Eh bien, vos leçons de piano n'ont pas été inutiles. Vous avez trouvé la clé, Watson. Un jeu d'enfant, oui. Nous possédons 2/3 du message. Planche cachée derrière livre. 3e étagère, secrétaire, docteur S. Probablement. Il s'agit là des premières et secondes portions du message. Et ils ont, eux, la première et la 3e partie. Précisément. 3e étagère, secrétaire, docteur S. Eh bien, en dehors du fait que Davidson a caché les planches de la Banque d'Angleterre quelque part à Londres, je ne crois pas que nous ayons progressé. Un point important est à signaler. Les deux mots. Docteur S. J'en déduis que les planches sont cachées dans la maison d'un docteur. Que cet S soit la première ou la dernière initiale de son nom reste encore à déterminer. Mais il y a sûrement plus de 10 000 docteurs à Londres avec un S pour première ou dernière initiale. Trouver ce médecin est une affaire qui vous concerne, messieurs. Nous vous préviendrons si nous découvrons quelque chose sur notre mystérieux docteur S. Merci. En attendant, je voudrais suivre une piste au sujet d'une cigarette. Vous êtes certaine de l'identification du tabac? Absolument. J'ai préparé ce mélange spécial pour 3 clients seulement. C'est de l'égyptien presque pur, avec une pincée de la takia pour donner plus de corps, et un petit peu de havane. Mais une quantité infinitésimale, juste pour lui donner une meilleure odeur. Oui, oui, et les noms de ces 3 clients? Major Wilson à Bombay, Inde. Madame Catherine Hemington Smith en Irlande. Et le troisième? Madame Hilda Courtenay à Park Manoir, Brinton Square. Merci, merci beaucoup, vous m'avez été très utile. J'en suis très heureuse, monsieur Holmes. Oui? Madame Courtenay? Oui. Mon nom est Sherlock Holmes. Ah, entrez donc. Merci. Je suis une de vos admiratrices, monsieur Holmes. Et même, nous avons un ami commun en sœur, Edward Brockdale. Il m'a souvent parlé de vous. Ah oui? Pourrais-je savoir à quoi je dois le plaisir de votre visite? Je crois que vous le savez, Madame Courtenay. Voyons, j'ai reçu un avertissement pour excès de vitesse la semaine dernière, mais en dehors de cela, je ne vois pas quel intérêt je peux représenter pour la police. Alors, Madame Courtenay, oubliez-vous que nous nous sommes déjà rencontrés? Je suis désolée. Je suis sûre que je me rappellerai avoir rencontré le grand Sherlock Holmes. Mais asseyez-vous. Merci. Nous nous sommes rencontrés? Oui. Dans la maison de Monsieur et Madame Kilgore, 143 bis Hampton Road. Oh, vous devez faire erreur, Monsieur Holmes. Vous croyez? Mais vous étiez moins élégante. Ah oui? Cigarette? Merci. Merci. Voyez-vous, Madame Courtenay, bien souvent les gens ont tort d'oublier en se déguisant que la forme de l'oreille est un moyen presque infaillible d'identification pour un œil entraîné. Vous me confondez, Monsieur Holmes, avec quelqu'un d'autre. Oh non, pas du tout, bien que je me sois attendu à votre dénégation. Mais quand vous êtes venu dans mon appartement de Baker Street, vous avez laissé par mégarde un autre moyen d'identification. Elles sont identiques, n'est-ce pas? Oui, je dois admettre qu'elles le sont. Voyez-vous, pour attraper quelqu'un d'aussi intelligent que vous, il fallait utiliser un piège spécial. Je savais que vous ne pourriez résister à la pâte de mes cigarettes, ayant lu avec un grand intérêt votre magnifique étude sur les cendres de 140 différentes variétés de tabac. Je vous conseille de ne pas bouger, Monsieur Holmes. Je vous félicite de votre ingéniosité, Madame Courtenay. C'était un piège remarquable. Merci, Monsieur Holmes. Un pareil hommage venant de vous est une récompense. Je chérirai toujours la mémoire de vos dernières paroles. Dernière parole? Je suis forcée de vous supprimer. Hamid! Voyons! Attention! Il est inutile de te montrer inutilement brutal avec notre distingué invité. Nous partons? Oh, c'est tellement affreux d'avoir un cadavre dans un appartement. Vous êtes d'accord, Monsieur Holmes? Je ne crois pas qu'un cadavre pèse beaucoup sur votre conscience, Madame Courtenay. Je peux avoir une cigarette?
Oui, pourquoi pas. Ah, fais attention, Hamid. C'est un imbécile de piéton. Merci, Colonel Cavanaugh. Vous êtes vraiment très aimable. Pas une mort douloureuse. Hamid, allez brancher ceci sur le moteur. Cet appareil que vous voyez là, mon cher monsieur Holmes, contient un gaz particulièrement mortel. Les fumées de ce gaz donnent d'excellents résultats dans la suppression des indésirables. Mettez en marche. Le là-haut, Hamid. Nous voilà donc placés comme le cercueil de Mahomet, monsieur Holmes, suspendu à mi-chemin entre le ciel et la terre. Vous avez vérifié s'il y avait assez de gaz ? Ce serait bien dommage que quelque chose tourne mal pour une simple négligence de détail. Monsieur Sherlock Holmes? Ah non, je suis le docteur Watson. Oh, bien sûr, le docteur Watson. Je suis vraiment stupide. Pas du tout, c'est moi qui le suis. Vous ne voulez pas entrer? Eh bien, je venais réellement voir monsieur Holmes. Ah, c'est qu'il est sorti et je ne sais pas quand il reviendra. Peut-être puis-je le remplacer auprès de vous. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous savez, Sherlock Holmes et moi avons résolu ensemble de nombreuses affaires. Alors, si par hasard je puis vous aider... C'est très aimable à vous, docteur Watson. Peut-être bien... Si je n'avais pas peur de vous ennuyer, je... Vous ne m'ennuyez pas du tout, je vous assure. Exposez-moi tout, Miss... Miss Williams. Oui, Miss Williams, oui. Je vis dans Surrey, docteur Watson, et je suis venue à Londres en désespoir de cause. Ma jeune sœur a disparu et la police locale semble incapable de la retrouver. Eh bien, Holmes a éclairci une affaire identique une fois. Très intéressante, autant que je me rappelle. Je l'avais appelée les aventures du cycliste solitaire. Et, oui, bien sûr, en y repensant, cette affaire n'était pas similaire et même tout à fait différente. Je ne réfléchissais pas à ce que je disais. Où étions-nous? Elle n'a que 17 ans, docteur Watson. Et avant sa disparition, jeudi dernier, elle semblait un peu abattue. Peut-être bien une fugue sentimentale. Oh non, non, rien de ce genre. Elle n'a laissé aucune lettre. Elle n'a pas emporté de bagages non plus. Je l'ai vue sortir et se diriger vers le village en plein jour et elle s'est...
simplement évanoui de la surface de la Terre. Ah, alors, calmez-vous. Pourrais-je avoir un verre d'eau? Bien entendu. Je vous l'apporte tout de suite. Tenez, buvez, mademoiselle. Merci, docteur Watson. Alors, il ne faut plus pleurer, vous verrez que tout s'arrangera. Ah, ça va bien mieux déjà, depuis que je sais que vous allez m'aider. Oh, docteur Watson, regardez. Mon Dieu! Oh! Dépêchez-vous de téléphoner aux pompiers. Vous n'avez pas un extincteur? Un quoi? Ah, mais oui, nous en avons un. Oui, je vais le chercher. Je vais éteindre ça en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Oh, m'excuse. Ça va mieux. Oh, un peu d'air. Et voilà, nous n'avons pas eu besoin des pompiers après tout. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, Miss Williams. Ah, c'est l'ennui avec les femmes. Elles perdent toujours la tête au moindre danger. Mais... la boîte à musique. Oh! Oh, ça alors! Miss Williams! Enfin. Nous l'avons. Et Holmes? Je pense que M. Holmes est actuellement en train de sonner à la porte de Saint-Pierre. Il n'est pas venu, dites-vous? Holmes, où diable étiez-vous passé? J'ai essayé de vous joindre au club, à Scotland Yard, je ne sais plus où encore. Ça, vous ne risquiez pas de m'y trouver. Holmes, c'est épouvantable. Je suis un imbécile. Cette femme, elle m'a roulé comme un enfant. De quoi parlez-vous? Ah ben, elle est venue ici, elle a déposé une bombe fumigène, j'ai cru que la maison brûlait, alors ma première pensée a été de sauver la boîte à inutile musique. Inutile d'en dire plus. Elle a la boîte. La musique. Ne vous faites pas tant de reproches, mon vieux. Elle est terriblement intelligente. Une bombe fumigène? Eh bien, ça vous consolera peut-être de savoir que votre charmante visiteuse, en tout cas, est une de vos lectrices. Que voulez-vous dire? Si mes souvenirs sont précis, vous avez parlé de ma petite expérience de la fumée et du cri au feu dans votre histoire intitulée « Un scandale en Bohème » qui vient d'être publiée dans le Strand. Oh, je vous en prie, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Si ça peut vous réconforter, sachez qu'elle m'a eu, moi aussi. Avec la cigarette oubliée. Elle l'avait mise là dans un seul but, bien précis. Avez-vous des pansements dans la maison? Pansements? Pourquoi, Holmes? Êtes-vous blessé? Je vous expliquerai plus tard. Mais pour le moment, nous avons affronté un problème qui, je le crains, est insurmontable. Laissez-moi voir ça de plus près. Bien. Nos adversaires sont en possession des trois parties du code, ce qui signifie que les planches de la Banque d'Angleterre passeront prochainement entre leurs mains. Alors, un peu de courage, mon vieux. Comme le docteur Samuel Johnson l'a dit, il n'est pas de problème posé par l'esprit de l'homme que l'esprit de l'homme ne puisse résoudre. Voulez-vous répéter ça? Non, je ne faisais que citer le docteur Samuel Johnson. Il a dit, il n'est merci, pas... Merci, Watson, merci. Hein? Mesdames et messieurs, nous arrivons dans l'hall que le docteur Johnson avait l'habitude de traverser pour aller prendre ses maigres repas dans la salle à manger qui est en face. Maintenant, nous voici dans la mansarde où le docteur Johnson écrivit son célèbre dictionnaire. Vous y verrez également toutes sortes d'objets familiers dont il aimait s'entourer. Avancez, mesdames et messieurs, je vous en prie, avancez. Là, dans le coin, c'est le secrétaire qui renferme de nombreuses éditions originales
des maîtres de la littérature. Descendons maintenant dans la chambre grise qui se trouve juste au-dessous de nous. Vos clés. De la Banque d'Angleterre. Eh bien, Madame Courtenay, quel plaisir de vous voir. Non, je ne ferai pas ça à votre place, colonel Cavano. Je dois vous féliciter, Monsieur Holmes. Vous êtes plus fort. Holmes ! Hey, Holmes ! Holmes, tout va bien ? Parfaitement bien, merci. Mais je crois que ce monsieur étendu sur le plancher a besoin de vous. J'aimerais qu'il soit en bon état le jour où il sera pendu. Allez, emmenez-les. Brillant adversaire. Dommage que ses talents aient été mal dirigés. Veillez à ce que ces planches soient rendues à la Banque d'Angleterre, inspecteur. Je ne saisis toujours pas comment vous avez résolu le problème. C'est au docteur Watson qu'en revient l'honneur. Tout est devenu clair quand il a mentionné le docteur Samuel Johnson. Eh bien, toutes mes félicitations. Ah, merci, inspecteur, mais je crois que ça aurait été beaucoup plus difficile si M. Holmes ne m'avait pas aidé.